Tu te sens mieux? Ouais, je crois que ça a marché. Malheureusement, ça te permet juste de gagner du temps. Les effets de l'inhibiteur s'estomperont bientôt. T'es prêt à y aller? T'en fais pas pour moi. Ashley est la priorité. Dans ce cas, on sait ce qu'on a à faire. En route, Sancho Panza! Allons secourir la princesse Dulcinea. Fais gaffe, tu vas te faire mal. Hé, hey, c'était ma lance. Ok, on se dépêche. Pourquoi tu m'aides? Qu'est-ce que tu gagnes? Pas besoin d'être aussi méfiant. Je t'ai dit que je t'aiderais, non? Ah, celui-là, il est vide. Donc ouais, il se l'a injecté. C'est bien. Vous avez vu le briquet? Je crois qu'il y avait le symbole d'Umbrella dessus. Je crois bien. En tout cas, on est de retour pour une nouvelle vidéo de Resident Evil. Remake. Il a le Red 9. Le Red 9. Le Rouge 9. Comme Rouge 13. C'est 9. Alors, on va voir un peu. Ouais, ça va. On a gagné la surface, ça marche. On a le malchant. Hein. Bien. On doit passer par où? Ah, c'est le stand de tir ici. Ok. Ah, me dites pas qu'on en a un nouveau. Non. On verra. Aujourd'hui, j'ai passé la pire journée de ma vie. C'est le 5e anniversaire de ma fille, mais me voilà coincé sur un bateau miteux en direction d'un endroit pourri de l'arrière-pays. Si la paye n'était pas bonne, je crois que personne n'accepterait de travailler au milieu de nulle part. Les types du château nous rappellent constamment de faire attention durant l'excavation, mais des ouvriers se sont effondrés après avoir inhalé de la poussière. Il se passe quelque chose dont ils ne veulent pas nous parler. Il y a beaucoup trop de secrets ici. Je commence à tousser aussi, je devrais dormir. Ça ne va pas du tout, j'ai craché du sang 3 fois aujourd'hui. Ouais bah putain. Je me sens tellement faible que je peux à peine bouger. Merde, je n'aurais jamais dû venir ici. Je l'ai fait pour l'argent, mais au final c'est moi qui en paie le prix. Je suis vraiment un père indigne. Pardonne-moi mon ange. Octobre, depuis matin, tête marche plus. Pourquoi? Cracher plein de sang, plein d'insectes rampent. J'entends une voix. Encore une superbe journée de travail. Creuser m'apporte tant de joie. Ma vie est pleine de bonheur. Je vous offre tout. Vos désirs sont des ordres, Lord Sadler. Ah, j'ai dit Lazarus la dernière fois. Sadler. C'est Lord Sadler, le mec qu'on voit avec le bâton. J'ai reçu quelques nouveautés qui doivent... Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux me faire une offre? Espèce d'enfant. Ma marchandise est en parfait état. Ah, 2/3. Je te le promets. Okay, cool. Ça, c'est... Merci. T'as quoi de nouveau? Ah! La crosse de Mathilda. La crosse de Mathilda, comment? C'est nouveau. Ouais. Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? Échange illimité. Il vaut mieux pas que tu le saches. Échange illimité de jetons, que... On a le ticket d'amélioration spéciale, mais bon, enfin, je sais pas si c'est vraiment utile pour moi. Enfin, pour le moment. On a ces 3 objets qui peuvent être intéressants. La manette de cuir, en fait, ça m'intéresse pas. J'ai plein de choses. Elle va pas te faire tuer, hein? Elle est où la machine? Elle... Ouais, honnêtement, c'est un peu de la merde ce que tu me proposes. Je... Pour être franc... Oh, putain, mais j'avais même pas rechangé les... Quel con, j'avais pas rechangé. Peut-être que on aurait pu faire beaucoup plus de dégâts avec les coups de couteau. Bienvenue. Essaie d'y faire attention, d'accord. Ouais, j'aurais pu peut-être faire beaucoup plus de dégâts si j'avais eu le truc du couteau. Enfin bref, c'est pas grave. J'ai fait de la merde, c'est pas grave. Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. Alors, on avait dit qu'on voulait le Striker. C'est ça, Striker? Vu que tu veux pas me faire de prix.
Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme étranger? Ça pourrait te sauver la vie, tu sais. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Étranger, oh. Je suis prêt à payer une coquette. Enchaîne les tirs avec ça et tu assisteras à un festival de feux d'artifice. Alors... ça. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. On est déjà à 10. Petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. Capacité 15, rechargement, la cadence de tir, ça peut être bien. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. Capacité à 15, on touche plus. Cadence de tir augmentée. Ça pourrait être intéressant. Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Oh, y a-t-il quelque chose de plus beau? Ce que tu vois là, tu sais, j'ai pas toujours ça en stock, étranger. Tu fais des réserves au cas où? C'est une sage décision, ça. Grenade lourde, ou alors du soin. Tu vois un peu? Est-ce que je peux te faire bonne route? Voilà, ça c'est pas mal. Oh, oh mon dieu, la dispersion! Léon, il y a une crosse dessus. Il y a une crosse qui est rétractée. Tu peux pas la détracter? Ah, on voit les cartouches. Non. Oh là là! Je sais pas si fusil semi-automatique est rétentif ou une grande capacité en munitions et maintien en contact. Ouais, non, c'est débile. C'est débile de pas utiliser la crosse. Vraiment con. Oui, ça c'est une crosse dessus. Hein. C'est une crosse. Hein. Ouais, là ça se déplie. Là ça aussi ça se déplie pour l'ajuster. Oi, oi, oi. Alors ça, il va falloir la mettre dans la bouche de nos adversaires pour... être sûr que la cartouche touche. J'ai un peu peur de ça, par contre. J'ai vraiment peur de ça. Ça m'embête. Hein. Ça m'embête légèrement. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, on va sauvegarder. On va faire un test. Oh mon dieu, les palettes, il y en a qui vont jusque là quoi. Vous avez vu les palettes? La dispersion de fou. Non mais c'est abusé, hein. C'est pas comme... ça marche pas comme ça les fusils à pompe. Hein. Même là quoi, ça dépasse le curseur en fait, c'est ouf. Mais j'ai tiré là, il y en a une qui allait là-bas. Enfin, quoi que non, peut-être qu'elles ont traversé. Oui, non, ça a dû traverser, c'est pas grave. Où est-ce que je peux tirer? Bon, après... après, ça tire vite. Hein. Ouais, la fumée que ça fait, c'est n'importe quoi. Pas convaincu. Oh, d'une force. Tellement pas convaincu par le l'arme. Je vais... on va rester comme ça. Bienvenue. En quoi puis-je t'être utile? À quoi tu tiens le plus? À ton argent ou à la vie? Le choix est vite fait, l'ami. Le truc, c'est qu'il est quand même beaucoup plus puissant.
Après, oui, on peut me dire, oui, non, mais tu restes à bout portant. Oui, mais bon, quand même, là, il faut vraiment être à 30 cm, limite. Pour être sûr de tout mettre. C'est ça qui est un peu abusé, je trouve. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Bon, ça, par contre, je sais pas quoi faire. Il y a certaines choses que l'argent n'achète pas. La prochaine fois, ouais. Achète quelque chose. Ferme ta bouche. Je sais pas quoi penser de l'arme, honnêtement. Il faudrait qu'on la teste, mais bon, ça veut... Tester les armes, ça veut dire combattre. Une nouvelle époque t'attend, étranger. J'imagine que tu meurs dans ton infanté. Alors... Ah, c'est au Punisher. Dis-moi qu'il a le laser. Le Red 9, je vois un truc. Même si c'est qu'un jeu. Voilà. Je vais être honnête, on va faire un peu les épreuves vite fait, ok. Mais je risque de couper, ok. Et voilà, parce que là ça va vite me gaver de refaire des épreuves. Si tu comptes trop sur... 3, cette 2, précision de la 1, mort, quoi. Allez. Ok. Oh, il a une cadence de tir atroce, le Red 9. Zéro respect. On s'arrête là. 3 sur 4. Ouh, et pourquoi joué. pourquoi j'ai merdé? Oh, détruire tous les pirates en détruire au moins, putain. Par contre, les explosifs, ça fait péter. Désolé, oui, ça fait. Ça fait péter les trucs aussi. Recharge. Je m'en fous hein, des points, moi. C'est pas ça que je veux là. Je le dis. Double. Voilà, c'est ça. C'est parti pour une ok, nickel. Allez, feu à volonté. J'aurais dû recharger. Bonus, ça se refuse pas. Oh, magnifique. Dépêche. Yes, j'ai eu les... Je crois. Non, 3 sur 4. Nique-toi, le jeu. C'est une horreur. Si tu veux. Ah putain, il a pas le laser. Un. Merde. Ça aurait été trop bien. Triple. Fantastique. Superbe tir. Hé, tire pas sur celle-là. Ferme ta gueule. Ah, j'ai tiré trois fois. Je crois que c'est le même système. Dix tirs ou moins, putain. Mais ça va me rendre gonflé, ça. Trois d'un coup, t'es en forme. Triple. Ça a l'air facile comme ça. Tu t'es trompé. Ça te... Recharge. Respect. Ah merde, j'ai loupé. Ouais, j'ai loupé la médaille. Oh là 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 là. Ha, c'est maintenant que la fête commence. Cette précision de la mort de Léon, quoi.
Incroyable, c'est de la merde, ça me rend fou quoi. 3, 2, 1, allez, triple. Fantastique. Remarquable. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es fatigué ? Toi. Je suis pas là pour les points là, je suis là pour ça. Ça a l'air facile comme ça. Mais merde! Si tu comptes trop sur la même arme, on va faire celui-là, je le connais pas. 2, 1, allez! Vas-y à fond, même si c'est zéro respect. Ça a l'air facile comme ça. J'ai loupé. C'est bien. Vous voyez la différence de précision quand on n'a pas le laser à cause de ce curseur de merde là où le personnage va tirer en fait dans le périmètre du curseur. Une catastrophe. Tu t'es bien défoulé ? Aïe 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 aïe. Vous savez quoi ? Je vais faire une pause, moi. Je vais faire une pause. Je vais essayer de faire les trucs. Et honnêtement, je vais le striker, je vais pas le prendre. Non, le striker, on va pas le prendre parce que il fait pas, il est trop trop large. Ça m'intéresse pas. Ça va être une catastrophe pour viser. Je préfère pas le prendre. Je veux quand même toucher ma cible. Là, c'est complètement con, quoi. Déjà que Léon tremble comme une feuille. Donc ouais, je vais recharger ma partie, je vais pas prendre le striker, je vais faire une pause. Je vais essayer de finir toutes les épreuves. Et on reprend, et on fera comme la dernière fois, c'est-à-dire on va utiliser les jetons directement. Donc voilà. Sûrement à tout de suite. Ok, on est de retour. Donc j'avais fait, je crois, une vingtaine de minutes de vidéo parce qu'on s'est arrêté plus ou moins là. Il y avait un stand de tir. N'oublie pas qu'arme à feu. Voilà, merci. Il y avait un stand de tir et tout ça. Il y a des nouvelles armes, il y a le Striker. On a vu le Striker, on a vu la dispersion du Striker. J'ai dit plus jamais. Donc on va rester avec ça et tout ça. Donc j'ai fait le stand, c'était encore une fois une torture. Enfin, c'est pas difficile, comme j'ai dit, c'est pas le truc insurmontable, faut pas être asiatique hein, pour le faire. C'est une blague, les Coréens qui sont bons aux jeux vidéo et tout ça, c'est une blague, c'est pas raciste. Faut que je prévienne au cas où, parce que les gens, des fois, ils prennent toutes les choses mal. Bref, ça passe, mais comme j'ai dit, c'est pas... Ça pourrait être mieux. Le gameplay pourrait être tellement mieux si tout avait un laser. C'est juste ça que je dis. Parce que combien de fois j'ai tiré, genre vraiment sans bouger, avec le curseur qui était bien au milieu, et la balle, elle a évité en fait la médaille, parce qu'il y a ce fait d'aléatoire en fait. Donc ouais. En tout cas, après sinon, j'ai rien changé. Ah oui, j'ai testé le... Ah merde, il faudrait que je remonte pour vous le montrer. Bah, de toute façon, on va voir. Si on a des trucs un peu bof, on recharge la partie. Mais je voulais vous montrer le scope niveau 3. Là. On va faire un or et deux argent. Je crois qu'on va faire que ça à chaque fois. Alors, je pense que c'est là. Alors, on vit restauré par les herbes vertes, 10%. On va voir ce qu'on a. Après, si vraiment on a de la merde, si vraiment on a des trucs vraiment nuls, on recharge la partie. Parce que je voudrais montrer des trucs un peu sympas, quoi.
création de carreaux, 15%. Ouais, mais c'est que des personnages, des figurines, en fait, de l'original. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est sympa. Oh, on a zéro épique, quoi. C'est... Ah, merde. J'aurais même pas assez pour... Coût de réparation du gilet, moins 30%. Ah, il me faudrait un argent, quoi. Honnêtement, on a eu de la merde. On a eu vraiment que de la merde. Ouais, 69, nice. On a vraiment eu que de la merde. Je vais recharger. Il y a que le gilet à 30% qui peut être intéressant. Mais je voudrais, je sais pas, des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, en fait. Pas que des stats, vous voyez ce que je veux dire. Attendez, vu qu'on en est là... Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous montrer ça. Reviens quand tu veux. On va s'éloigner de lui parce que... Ouf. Alors, on a... Ça, c'est le... Ça, c'est le, nord... le double. Donc, hop. T'as comment il tremble, Léon. Là, genre, j'ai la souris levée. J'ai la souris levée. Et il tremble. C'est fou, quoi. Donc, on a ça. Ça, c'est le normal. Et ça, c'est le nouveau. Donc, il fait une case de plus, hein, évidemment. Après, c'est stylé hein, d'avoir un M4 avec grosse lunette. Hein, c'est classe. Et ça, c'est là. Il est beaucoup plus épuré, honnêtement, le x1. Il est vraiment bien, je trouve. Et puis, c'est un point. C'est pas une... je déteste, genre dans Tarkov, je déteste quand il y a des viseurs qui ont des flèches, en fait. Mais les points, là, c'est superbe. Pour bien viser précisément. Le zoom, le deuxième zoom est moins, va moins loin que le deuxième zoom du double. Mais par contre, après, on a le troisième zoom. Voilà. C'est ça la différence. Voilà. Donc bon. C'est un peu un problème, en fait. C'est un peu un problème. C'est... À la limite, c'est la taille, en fait. Vous voyez que là, il est plus zoomé, le deuxième. Donc, ouais. C'est plus intéressant, je pense. Mais bon. ouais, j'aime beaucoup la longue distance parce que elle est très épurée. C'est plus facile en fait à viser, je trouve. Pour moi, c'est plus agréable, en fait. Donc ouais. Mais bon, encore une fois, on est très limité par l'inventaire, donc on va pas le prendre à cause de l'inventaire. Tout simplement. C'est juste parce que l'inventaire prend de la place. Voilà. Alors, on va faire ça. Allez, ah bah ça valait le coup. Ça. Oh mon dieu. J'ai l'impression qu'on a les mêmes à chaque fois. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est anti-safe scum, hein, le jeu. C'est ouf, hein. On a exactement les mêmes. Elle va me donner un épique avec le gilet, le dernier, je suis sûr. On paraît que c'est un épique avec le pour moins 30% du gilet. Même pas, on va tirer déjà. C'est encore pire. C'est encore pire. Oh la vache. C'est encore pire. C'est bête parce que... On n'a pas des trucs très excitants, quoi. Bon, on va refaire genre une pièce d'or et deux argent. On a tous besoin d'une pause de temps en temps, pas vrai. Et on va avancer. Avec de la chance, on aura le moins 30% du gilet, c'est le plus important. Et puis voilà. Là, ça va être munitions de fusil. Ouais, les carreaux, merde. Munitions de fusil. Tu peux me redonner quand même l'épique avec le gilet parce que le gilet coûte cher. Voilà, merci. On est d'accord que c'est scripté. Hein. On est d'accord. Hein. Je vais être franc, je suis quasiment certain que c'est scripté. Là,
Le RNG, l'aléatoire ne fonctionne pas comme ça. Donc il y a quelque chose. Il y a un script. C'est obligé qu'il y ait un script qui balance des trucs automatiquement, genre à 100%. Il y a quelque chose. Tu vas pas me dire qu'on fait ça plusieurs fois d'affilée. On a les mêmes choses. Alors, on a 15K. On a rien à vendre. On a beaucoup de saphirs. On a rien à vendre. Enfin, au pire, on pourrait vendre des saphirs. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre. On a pas mal de couteaux. On n'a pas de double pour le moment. Ça, c'est réparé. J'hésite à vouloir prendre le spray comme ça. Ce que on tu fait... vois là, c'est tout ce que j'ai. Ah oui, il y a les grenades lourdes aussi. Ouais, ça peut attendre à la limite. Enfin, quoi que, c'est quoi Grenade d'or, c'est une grande ferraille. On fait quoi avec les grandes ferrailles? On fait les grenades aveuglantes avec les grandes ferrailles, surtout. Mais c'est vrai qu'on peut pas faire de petites grenades. Oui, ça c'est vrai que c'est un problème de pas faire de petites grenades. Donc du coup, on pourrait prendre ça, comme ça on peut faire des grenades à foison. Mais... j'aimerais bien... parce qu'on a 4 sprays, ça va. On va pas quand même jouer comme une merde. Voilà, amuse-toi bien avec ça. Mieux vaut prévenir, va pas te faire tuer, hein. Très bien. Alors, on remet ça au centre. Les poules. Ah oui, c'est vrai que les œufs, bah du coup, ouais, ça dépend si on les trouve ou pas. Prix de revente de munitions, réparation du gilet, réparation du couteau, donc ces deux sont bien. Qu'est-ce qu'on a là? Fréquence de bonus de création. Ah, bonus de création de carreaux, ça c'est pas mal. Vie restaurée par les herbes vertes, 10%. Le problème c'est que les herbes vertes, on les prend jamais seules. On les prend surtout avec des herbes rouges, donc c'est pas vraiment très intéressant. Sur fusil, magnum. Je dirais ça. Ah par contre c'est pas beau, ça passe à travers. Je vais voir si... ouais, c'est un peu mieux. Ouais, on a donc taux d'apparition de mission de pistolet, parce que le pistolet c'est vraiment le top. Change de coup critique avec attaque de mêlée, 20%. Fréquence de bonus de création des carreaux et pistolet en plus. Je trouve que c'est pas mal. Je me suis dit, est-ce qu'on repasse à la toute apparition des ferrailles grandes? Je pense pas que ce soit très utile. On va rester sur le pistolet parce que ça se passe bien en fait avec le pistolet comme ça. Voilà. Du coup, on va charger nos armes. Hein. On va charger nos armes. Il y a le magnum, je l'ai pas chargé exprès parce que. Parce que je sais pas s'il va pas en avoir un autre en fait. Très bien. Ouais, je sais pas vraiment s'il va pas en avoir un autre. Donc au final, on va voir. Bah après, si on a besoin de place. J'ai un peu de mal à faire confiance à quelqu'un qui a bossé pour Umbrella. Alors t'es au courant. Umbrella n'existe plus. T'as plus besoin de te préoccuper. T'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu cherches? Je veux juste être en paix avec moi-même. Faire un monde honorable. Quelque chose comme ça. Ok. Ok. On a quoi d'équipé? On a notre couteau. Celui-là qui fait le plus de dégâts. TNT. Supply track. C'est quoi ça? Alors, lieu de stockage des explosifs. La dynamite a été transférée vers la salle de stockage M4. Avertissement relatif au dynamitage. Les éboulements sont fréquents. Restez à bonne distance du point d'explosion. En cas de sinistre, déblayez rapidement la zone. Assurez-vous que le personnel est en nombre suffisant.
C'est quoi ce truc? C'est un endroit où il faut mettre différentes charges en fait pour. Depuis quand c'est bloqué ici? Avant ça menait à la sortie. Ouais, bon bah on va regarder. On va prendre le fusil à pompe dans les mains, juste au cas où. Ah, quoique, ça a l'air d'être grand en fait. Ouais. On dirait qu'on a de la compagnie. Ah, qu'est-ce qu'on fait? A ton avis, bah on leur demande gentiment s'ils ont des explosifs. Ah tiens, du coup, on teste un peu notre fusil d'assaut. Ah, attends, peut-être pas. Où est-ce qu'on peut aller? Oh la vache. Ah merde. T'es sérieux? Il vient sur nous là. Il nous a pas vu celui-là en face. Si les carreaux pouvaient tuer en un coup, on pourrait faire tellement d'infiltration. On pourrait... fais voir un peu les grenades lourdes là. 12. Ok, c'est intéressant. Oh. Et merde. Merci, je suis au courant. Oh, 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 boum, boum. Très bien. Je suis bloqué. Oh la vache, rien du tout. Oh, on descend. Oh merde. Oh vas-y. Oh, y a plein d'explosifs. Allez péter tous. Allez Léon, putain avance bordel de merde quoi. Ah j'ai pas touché là. Très bien. Nickel. Attends. Désolé, mais là, c'est très très mal joué. Là, je suis en début. On est le matin. Je suis pas réveillé. Désolé, mais on recommence. C'est rare hein, que je fasse ça. Hein. J'ai dû peut-être le faire deux fois. Même pas, non. Peut-être la première fois que je le fais. Après, on aurait pu continuer à jouer, honnêtement. On aurait pu continuer à jouer. On n'était pas vraiment tout, vraiment nul, mais. Mais ouais, quand même, quoi. Peut-être pas exagérer. Mais... Ah, c'est bien, il reste accroupi quand on enjambe, quand on était accroupi. Ah là, je me rappelais plus de la lourdeur du. Notre petit Léon quoi. Vas-y, va-t'en toi. Est-ce qu'on peut faire des trucs sympas là?
Très bien. Ok, attends, on va faire une grenade lourde. Ça avec une tronçonneuse, c'est pas des bûcherons. Merci, je suis au courant. Foutez-moi la paix. Au devant. Qu'est-ce quoi? Mais elle vient d'où elle? Merci. Ouais. Merde. Désolé. Merde. Recharge vite. Je recharge le fusil à pompe parce que j'ai plein de cartouches. Oh merde! Bien joué là. Oh là-bas! Putain de merde, Léon! Si c'est pour mettre un QTE qui s'en va au bout d'une fraction de seconde, honnêtement, ne me mettez pas de QTE, hein! Parce que là, là, je vois pas l'intérêt, hein! Dans la merde. Je crois qu'on va utiliser le magnum un peu. Ah mais putain, c'est pas Louis. J'ai même pas fait attention que c'était pas Louis. Ok, je crois qu'il reste plus que la fille. Ça. J'ai envie de prendre un spray en fait pour garder la plante. Bien joué, merci, parce que là j'ai merdé. Dégage. Très bien. C'est bon, on l'a défoncé. L'autre elle a dû brûler en fait. Ouais, bon, c'est pas fameux. Hein. Mais bon, cette zone n'est pas très simple, je pense. Ah là là, vache. J'aurais dû utiliser des carreaux explosifs aussi. Non, j'en ai pas, j'ai rien dit. Bien, des carreaux bien gâchés. Ok. Eh ben, c'était pas. Eh, ça passe, hein. On a vu pire. Mais on va dire que je préfère quand ça se passe un peu mieux que ça. Ça s'ouvre pas. Bon, ils ont été sympas, hein. Louis, ils l'ont rendu complètement invincible.
grenades, tronçonneuses et tout. À moins qu'il y ait vraiment une cinématique qui... Attends, ça c'est un explosif ça. Où il est l'explosif. J'ai peur que me prendre une dynamite si je remonte. On va y aller. Ok, très bien. Petite grenade. Ouh, beaucoup de. Ouais. Honnêtement, ça faire avec le curseur normal, sans le laser, bonne chance. Hein. De tirer d'aussi loin précisément, bonne chance. Hein. C'est pas quelque chose qui va être facile. Hein. On a baissé le pont. On va me prendre la tête avec les armes que j'ai là. Ouvre-moi! Okay. Oh, merde! Hey, tu veux me tuer ou quoi? Okay. J'étais trop loin pour. Vas-y, ton move, mec, ton move, tu choisis. Ou tu attaques, tu te prends des balles, ou tu recules et tu te casses. Tu choisis. Dolé. Pas mal. Ça va, ils sont sympas avec les armes et tout ça. On a utilisé un spray, c'est peut-être la première fois qu'on utilise un spray. Non, c'est pas la première fois qu'on utilise un spray. Encore dynamite. Tu dois utiliser ça. De la dynamite, hein? Belle trouvaille, mon ami. Ouais. On va pouvoir déblayer le chemin. Une panne. Ah, on va faire péter ça. On peut voir un peu la carte. Ouais, on est bon. Ah bah oui, mais du coup, bête. Je me demande si on peut en mourir. Tu te défends plutôt bien. T'es sûr que t'es qu'un simple chercheur? Je suis juste un mec normal, même si j'ai plutôt du succès avec les femmes. Haha, drôle. Du fusil à pompe. Ça va, ils sont généreux avec le fusil à pompe. Bizarre. Après, je vais pas me plaindre. Hein.
Après toi, j'insiste. Un vrai gentleman. Oh la vache. Ah ou. Tu me revendras ça. Oui, fais gaffe. Il y en a deux. C'est toujours comme ça, dis-toi. Il y en a deux. Oh putain. Oh mais Léon, cours. Attends, on peut pas les faire tomber dans la machin là. Où s'y va ? Il a bougé. Ah putain, t'as... Il a bougé. Il faut sûrement les stun en fait. Est-ce qu'ils sont débiles ou pas ? Non, il a bougé. Il a bougé. Ouais, je crois qu'on va devoir tirer en fait. Oh, oh, oh. Comment je fais pour esquiver en fait quand ils me foncent dessus quoi. Il a bougé. Non, il a bougé. Ouais, non, mais ils font exprès en fait. Okay. Bon, l'autre il a l'air de rester sur Louis, ça fait. Il va me pousser dessus. Comment je fais pour esquiver ça? Y a pas de roulade. Et comment se fait? Je m'explique. Je passe, attention. Oh merde, on a changé de cible. Merde, l'armure le protège. Attendez. Oh, des flashs. Putain, je suis con. Est-ce qu'on sentait ? Comment ? Y a pas de touche pour esquiver. Ça existe pas. C'est que des esquives automatiques où on peut se baisser. Y a que ça qui existe. Il suffit que je fasse comment, merde. On va essayer de le flasher quand il est au centre. J'espère que ça marche. Regarde pas. Ça marche pas du tout. Oh putain, mais nique-toi. Louis, écarte-toi de là. Ouais, non, mais ça sert à rien. Oh là là, c'est débile. Bon, faut vraiment... Faut le faire tomber. Oh, merde. Je peux pas, excusez-moi. Ah, ça va être chaud hein, de faire de le stun en plein milieu. Hein. Je vois pas. Ça va être de l'aléatoire ouf, de ouf. Hein. Yes. Fais un pouce. Ah, du coup, on récupère les objets ou pas qui drop. Viens occuper notre ami. Reviens. Quoi? Hey, où tu vas comme ça? Il est juste à ma... Comment je peux même pas courir assez vite pour le semer, quoi. Ah, très bien. Louis.
Putain, esquive, bordel. Pour une fois, on pouvait esquiver, quoi. Merde. Combat de merde. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui. Ok. Ah, ça tue. Voilà un petit cadeau, rien que pour toi. Léon, tire dessus. Pourquoi pas toi? Magnifique. Le plan se déroule sans accroc. Allez. On n'a plus qu'à lâcher. Ah putain, ça aurait été trop bien de le faire péter. On va le faire tomber lui aussi. J'arrive pas à toucher. Il est collé à moi. D'accord. Ouais, non, mais va te faire foutre au bout d'un moment, tu sais. Honnêtement, on a plus perdu qu'autre chose. Il nous faudra un marchand, il faudra acheter le soin. Et comme ça, on aura du soin au prochain épisode. J'ai bien envie de garder ça en fait de côté si jamais on trouve une herbe jaune. Ouais, mais non, mais on a... Bon, après, j'ai utilisé surtout du pistolet, hein. J'ai pas fait autre chose. Donc ça va. Mais les soins, ouais, non, ça fait 3 soins. Et puis là, je suis mal en point, donc ça va faire 4 soins. Alors, on va voir ce qui va se passer. Viens. Je dirais pas non pour une petite herbe jaune qui traîne, genre en récompense d'avoir tué les deux balourds. Alors ? Mais bon, m'étonnerait. Un truc qu'on peut faire, je pense que si on les tue legit, sans les faire tomber dans la lave... dans le métal en fusion. Je pense qu'on doit récupérer des objets. Eh ben, on a chier. Je pense qu'ils ont des monstres comme ça, même ici. Ce sous-sol est sacré pour eux. C'est ici qu'ils ont découvert Las Plagas. Conservé dans des dépôts d'ambre très anciens. Ils avaient que ça à foutre. Bon, on a une herbe verte, n'est-ce pas? J'ai... Oh, me dis pas que je peux pas revenir. Non, c'est... J'ai limite envie de recommencer, moi, le combat et de pas les faire tomber. Elle est où, la grenade? Ouais, j'ai limite envie de refaire le combat et ne pas les faire tomber parce que... pour avoir des récompenses. Parce que est-ce qu'ils sont vraiment si difficiles que ça?
Parce que là, on a fait... merde. On a beaucoup tourné en rond exprès pour les mettre au centre et tout ça, donc bon. Mais ah, j'en sais rien, peut-être que... Voilà, on va continuer comme ça, c'est pas grave. Je voudrais juste voir, mais c'est sûrement des, ouais, des bijoux, quoi. Non, ça, c'est pas grave, on avance. Au moins, on a tué les deux, on a vu des animations et tout ça avec la dynamite et tout, c'était cool. Tant que c'est sympa, regardez que c'est cool, que ça se passe bien, c'est ça. C'est ça. Moi, j'aime, moi, c'est ça que j'aime montrer. Tu veux quand même pas qu'on monte là-dedans? Parce que t'as une meilleure idée. Non, tu vas pas me dire qu'on va devoir... genre, se mettre dans le truc et tirer... Ah, putain, mais si, il y a un passage comme ça dans l'original. Si, si, il y a ça. Ici, dans la mine. Mais le truc, c'est qu'on est seul dans la mine, je crois bien. Louis, il est mort ou un truc comme ça, je m'en rappelle plus. Non. On a eu des munitions de mitraillette, ça, on les vendra. Il y a le fusil d'assaut. Enfin, le M4, là, rechargé. Ok, très bien. Allez, ah, pousse, Sancho. Qui est-ce que t'appelles Sancho? Ah, mais attends! On roule! On devrait aller plus vite avec ça! J'arrive Pourquoi pas à croire que je fais ça. Hé, hey, on est pressé, non? Ah, mais je joue. Oh, au fait. Ah non. Quoi encore? Ah, il m'a donné le raid 9. Il m'a donné le raid 9 et j'ai munitions infinies. Ok, ça marche. Va dérailler! Penché. Ah, ok, ça tue! Comme Indiana Jones en fait. Merde, on va se tirer là! Occupe-toi de ces plans! Ah. Oh yeah. On monte par toi. À droite. C'est ça, yeah yeah yeah. Ah c'est cool. Ah c'est super cool. C'est super cool. Là c'est comme Indiana Jones. Oh merde. Il y a du monde à gauche. Hey, hop. Attention. Putain, tu m'as donné de la merde comme arme. Tu m'as vraiment donné de la merde. Ah ouais, oh merde. Fais-y plus attention, d'accord ? Ouais, 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 on va essayer. À gauche ! On tourne à droite ! On va dérailler, comme moi, je te dors ! Ça tue ! Tiens ! On m'a donné de la merde comme arme ! Je sais pas pourquoi j'ai fait péter ça. Le chariot il est dans la merde. Ça c'est bien qu'ils ont fait en sorte que c'est pas ta vie, que ça soit la vie des... dans ce que t'es en fait, genre le bateau, le chariot. Ça c'est super bien comme idée, c'est la meilleure idée qu'ils aient pu faire. J'ai pu avoir. Comme ça c'est pas... on n'a pas besoin de soins et tout ça. Droite ou gauche? On va aller à droite. Je crois que c'était une bonne idée. On va recharger. Ouais, ouais, non, honnêtement, le fait que ça soit pas notre vie, c'est vraiment bien. Vas-y, reprends ta merde de Red 9. Tu rigoles? Les choses ne font que commencer. Les choses ne font que commencer, super. Ah, c'était cool. Ah, ce passage est sympa. Ah, moi j'aime bien, j'aime bien. C'est pas très long en plus, c'est ça qui est cool. C'est que c'est pas très long et c'est intense et tout et c'est fun. C'est surtout fun en fait à jouer. Et comme j'ai dit, ils ont super bien fait d'avoir eu l'idée en fait de pas utiliser votre vie parce que si vous vous faites toucher et tout, qu'il vous faut soigner et tout, bah du coup c'est chiant parce qu'il faut prévoir des soins. Et du coup, prévoir des soins, c'est impossible en fait quand on découvre le jeu. Donc du coup, ils ont remédié à ce problème-là. De pas avoir à prévoir des soins pour des choses qui peuvent arriver parce que les soins c'est rare en fait, c'est super rare dans le jeu au final. Donc ouais, non, c'est vachement très très bonne idée, très très bonne initiative en fait d'avoir fait un truc comme ça. Par contre, il y a une figurine.
Ah, je suis content, c'est fun. Par contre, il me faut vraiment le gilet pare-balles. De jouer sans gilet, c'est la merde. Oh, toi. Protège-moi. Tu es devant, merci. Toi-même quoi. Ok, recharge. Attends, je vais récupérer mes carreaux là. C'est ça moi. La visée sans le viseur, ça donne quoi? Je me rappelle plus vraiment. Est-ce que c'est vraiment difficile? Ouais, c'est... Putain, j'ai l'impression de jouer à Tarkov sans viseur. Ah ouais. On va garder, on reste avec ça quand même. Donc ça a l'air... On peut... Non, pas avancer. J'ai tendance à louper des choses. Ah, c'est mal. Ouais, il faudrait le marchand, il faut absolument le gilet pare-balles parce que en fait on va prendre très très cher. Ah. Deuxième round avec le truc de mine. On est bon, on a tout eu. Yes. Ok, on y va. C'est parti. Ah, je hais ce truc. Oh, la musique, elle est cool. Eh oui, c'est bon ça. Sans déconner. C'est de la merde ton arme, Louis. Hein. Oh, chier. Ok, il n'avait pas allumé, ça va. Les musiques sont sympas. Ah ouais, c'est plutôt marrant, ouais. On se... Et la vitesse de tir, elle est horrible. Elle est horrible, la vitesse de tir du Red 9. Ok, cool. Bien, il est où là? Il est en dessous. Faut lui tirer dessus ou tirer sur son...
merde, recharge. Peut-être faut attendre que le curseur se recharge, se rétrécisse. Non, non. Merde, recharge. Oh mon dieu, ça fait mal. Ah mais en fait, non, ça va la vitesse, j'ai rien dit. C'est un peu moi qui tirais pas assez vite. Enfin, quand on tire de loin de toute façon. Qu'est-ce qui se passe? Ok, gauche. Putain, il a pris cher notre... Aïe, 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 aïe. Mon dieu, où est-ce qu'on est? C'est là qu'ils ont déterré les parasites. Ah, c'est super. On peut partir. On meurt. Oh putain. Run, run. Ça tue. Quoi? T'es sérieux là? Bah fais comme Indy, ou pas. Saute. Ouais. Tombe pas, parce que honnêtement, Louis, il est cool. Compte jusqu'à 3 la prochaine fois. Ok, Sancho. Ouais, c'est ça. Oh la vache. Ah, ce passage, il est fun. On s'en sort bien. J'avoue. Voyez, prenons cet ascenseur. J'avoue qu'on s'en sort super bien, honnêtement. Ah, ça tue. Fallait faire comme Indiana Jones, genre se mettre devant avec les chaussures, c'était super fun. C'est dans quoi? Dans le deuxième, le temple maudit, je crois. Honnêtement, une des meilleures scènes avec ce type de choses, en fait. Dans des mines avec le minecart, là, le... Comment ça s'appelle? Merde, comment ça s'appelle en français? Le train de mine, en gros, enfin bref. Ah, c'était fun. Ah, j'adorais. Ouais, ton raid 9, la prochaine fois, tu te le gardes. Ah! Il manquait plus que ça. On doit pouvoir faire le tour. Allez, viens. Attends, juste vérifie. Ouais, ok, on a un marchand là. Journée de merde. Ah, ça! Je suis d'accord. Hein. Bonne journée de merde. Il y a un marchand, il faut absolument qu'on lui achète le soin pour m'emmener d'avance. Oh non! Je sais ce que c'est ça. Ah, je le savais! Fais gaffe! Ces saloperies peuvent se camoufler! Ouais, je sais. Suivant. Sancho, tu veux... Mets-toi derrière. Foutez-moi la paix. Okay. Avec les pistolets, avec le pistolet, ça passe très bien, honnêtement. Le nôtre, il fait très mal et il transperce. Je sais pas si ils ont une armure ou pas, mais en tout cas, le Punisher est très très bon pour ça. Donc ça c'est une très bonne chose. Genre si je fais 2 balles dans la tête, ça les tue. Alors, trop de nos camarades ont perdu la vie à cause de ces insectes qui viennent sans arrêt. C'est un véritable fléau. Que quelqu'un détruise les entrées de leur énorme nid pour éviter une nouvelle tragédie. Requête détruire toutes les entrées du nid. Zone ruche. C'est la ruche? Ah oui, c'est la ruche. Les entrées? C'est quoi les entrées? Attends, couvre-moi, Louis. Oh, oh là là. Ça va, c'est peut-être ça. Je sais pas ce que c'est une entrée en fait.
occupe-toi d'eux, d'accord? Et si t'ouvrais le feu plutôt que ta bouche? Hé, c'est moi le cerveau. Et toi, les muscles. La pute! Non mais tire bordel de merde. Suivant. Est-ce qu'il faut pas faire péter les bidons peut-être? Oh attends, c'est pas des tunnels ça? Ça a pas l'air, je sais pas en fait. Oh, putain, y'en a un là. Se soigner, s'augmenter la vie, donc ça c'est une bonne chose. Putain, Louis, tu veux pas aller me récupérer les munitions, bordel? Ouais, je comprends pas en fait ce qu'il faut détruire. Ça. Ah, ok. C'est ça. Mission accomplie. Bien joué. Ah, il est bien ce fusil d'assaut. Hein. Je dis qu'on a bien fait. Hein. Même s'il est un peu moins puissant, il est plus pratique. C'est comme le Punisher. Il est peut-être moins. C'est peut-être le moins puissant. Enfin, je crois que c'est le Blacktail le moins puissant. Mais c'est un des moins puissants. Mais le Punisher. Merde. Mais très efficace, très très pratique en fait, très maniable et tout ça. Donc c'est pour ça que le Punisher je garde, le fusil d'assaut je garde. Notre couteau va casser. Après on en a d'autres. Oh, on aurait pu faire péter ça. On en a encore. Évidemment. Ça va être le fun. Par contre, on a un objet, un trésor là. Je sais pas à quel étage il est en fait. Tu vas me dire que c'était pendant le tour. Un peu sneaky ou pas? M'étonnerait quand même. Ah, m'étonnerait. Tu t'es occupé d'une roquette, n'est-ce pas? Ça se voit sur ton visage.
Je savais que je pouvais compter sur toi. J'ai plein de choses intéressantes à vendre. Tu fais des réserves au cas où. Reviens quand tu veux. Ouais. Et alors, attends, on a des choses à vendre. Certes. Alors, là, on a... Pardon, deux sterons. On va faire comme ça. Hop. Double. Surtout. Très bien. Alors, mallette. C'est bizarre qu'ils aient pas mis une ligne avec Louis qui voit le marchand et qui dise... quelque chose par rapport au marchand, quoi. Alors, coup d'amélioration des armes, fais voir. Médecin, on va mettre. Prix de revente de munitions, j'en ai besoin. Le gilet. Quoi que non, attends. Gilet, le couteau. On a prix de réparation du couteau, moins 30. Le gilet, moins 30. Revente de munitions, 40%. Bienvenue! Couteau. Rien de plus facile. Le gilet 6000. Peut-être vendu. J'achète tout. C'est pas très et cher. N'importe quoi. Une affaire bien conclue. Et c'est du bon travail. 6, si je bien. Peux me permettre. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, vendre les munitions. Munitions de mitraillette. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. En quoi puis-je t'être utile? Fais bonne route! Un peu d'amélioration. Je vais voir si on peut pas améliorer un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Objectivement, je voudrais bien améliorer la contenance du fusil à pompe à la limite, ça prendrait moins de place du Bienvenue. Coup pour les cartouches. Ou alors la puissance du couteau, c'est vrai que ça peut aider. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. J'aimerais bien augmenter sa puissance au final, en fait. Là c'est quoi, 9 ou 10? Ouais, c'est que 9, c'est une cartouche de plus, quoi. C'est pas beaucoup. Ou alors on augmente la cadence de tir. Bon, la cadence de tir, ça m'a jamais posé de défaut, honnêtement. Ça m'a jamais trop posé de défaut, en fait, la cadence de tir de celui-là. Il est potable. Mais je sais pas, j'hésite. Parce que c'est pas énorme en fait. Faudrait faire plusieurs augmentations pour que ça soit vraiment efficace. T'as rien vu qui te plaisait, étranger. On va le faire. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. J'y reviens quand tu veux, surtout. On est bon. Ça, on va prendre... si jamais on fait des carreaux. Et on va prendre pistolet, je crois. Ouais, quoi d'autre, sinon ? Vie restaurée par les vipères, 40%. Ça aussi, ça peut être intéressant, mais on n'a pas de vipères. De vipères, donc change critique, mêlée, carreau et pistolet. Carreau et pistolet, c'est un peu le plus commun. Et puis les carreaux, en fait, on a trois couteaux, donc du coup, on va en faire. Donc c'est une bonne chose. Très bien, on a ça. Ça, notre soin en plus. On a deux greux. Ça va. Ça va, ça va. On va... Voilà. On a des armes qui prennent de la place. On a des armes qui prennent de la place. Genre on est resté avec le fusil d'assaut. Enfin, on a pris le fusil d'assaut... Oui, qui est quand même lourd. On a le Punisher qui est quand même gros. On a le sniper aussi. Enfin, non, c'est le fusil d'assaut, pardon.
Le fusil à pompe, c'est le pire, parce que là, c'est vraiment une très grosse place, alors que le striker est pompier et tout ça. Mais nettement plus intéressant. Donc, on y retourne. Ah oui, attendez, une seconde. Pour les spinels, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que les spinels, j'achète plus rien, alors, en fait, avec. Qu'est-ce que t'achètes? Donc, je sais pas... Je sais pas trop quoi en faire. Le Mathildage, je vais pas le prendre. Ça, c'est pour de l'argent de bof. Il y a vraiment les poudres noires à la limite qui pourraient être intéressants. La mallette en cuir, ça, pas du tout, ça m'intéresse pas. Si c'était des herbes vertes à la limite, d'accord, mais là non. Ouais. Il y a un ticket spécial qu'on pourra prendre à un moment ou un autre, peut-être. Le scope, pas besoin. Ouais. Je vais attendre. Il y a ça, les jetons d'or qui peuvent être intéressants. Shit. Les temps sont durs, pas vrai? Ouais. Ok, donc nous on va... Pff, oh là là là. Ok. Vas-y, go, go, go. Ligne droite. Ah, on doit être bon. Allez, bouge! Merci. J'ai crevé. Je suis trop vieux pour ces conneries. Je te comprends pas. Pourquoi risquer ta vie comme ça? On se connaît à peine. Je te l'ai dit. Ça m'aide à me sentir mieux. Sois franc avec moi pour une fois. Los Illuminados. J'ai travaillé pour eux. Tu vois, je le savais. Vous aider tous les deux n'efface pas le passé. Je le sais. Mais quand même, je veux pas qu'il y ait d'autres victimes. Dans ce cas, arrête un peu de déconner. T'y vas fort pour un écuyer. J'aime bien l'entente des deux, elle est cool. On est sortis de cet enfer. Ah, ça commence à sentir l'air frais. Pour le film. Parce que... Si on est arrivé jusqu'ici, ça veut dire qu'on est presque... Oh non, j'en presque étais quoi sûr. Fais chier, j'en étais sûr. Louis ! Oh ! Ça fait un sacré bail, hein, le bleu. Major Krauser ? Mais putain ! Pourquoi ? Je viens récupérer des objets volés. Et j'en profite pour éliminer quelques rats. Oh non. Un plaisir. Alors Ashley, c'était vous. Tu comprends vite. Qu'est-ce que je t'ai appris? Les couteaux sont plus rapides. Oh la vache. Oh la merde. Voir passer aux choses sérieuses. C'est sérieux. C'est cette secte qui vous manipule? Ça n'a rien à voir avec eux. Je suis un homme libre qui a fait un choix. Ah, attends, attends, attends. J'ai pas mon couteau. J'ai pas mon vrai couteau écrit. Waouh, d'accord. J'ai du mal à. Reprenez vos esprits. Oh, mais j'ai l'esprit. Waouh, wow, ok. Quel gâchis. J'ai fait exprès de pas me soigner parce que je voulais apprendre et tout ça avec Paré, avec, avec Espace. Honnêtement, c'est pas top. Je pense que je vais juste faire ce que je faisais. C'est cette secte qui vous manipule? Oh, plutôt, là. Ça a rien à voir avec eux. Je suis un homme libre. Ah putain, à chaque fois ça va me faire ça. Qui a fait un choix? Oh la vache. Reprenez vos esprits. Oh la vache, comme il fait mal en fait, c'est ouf.
Mais j'ai l'esprit plus clair que jamais. Maintenant concentre-toi. Putain de toi ta mère là. C'est bon ce que t'as. Ils sont tous tués. Sans honneur. Sans pitié. Mais avec leur puissance écrasante. Oh. Alors qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir quelque chose pour moi-même? Krauser. Je peux comprendre. Quoi, rien. Ce qui s'est passé était impardonnable. Putain, esquive. Mais c'est pas une raison pour vous en prendre à des innocents. Tu t'accroches encore au mythe du bien et du mal. T'as donc rien appris ces deux dernières années. Prépare-toi. Bien joué, le bleu. C'est encore. Qu'est-ce qui va pas? J'ai l'impression que tu te rends. Ok, on va recommencer. Le combat est sympa, honnêtement j'aime bien le style. La caméra me tue. La caméra me défonce par contre. Quand il est dans ta face et que tu dois enchaîner plusieurs contres en fait d'affilée, c'est pas difficile en fait, parce qu'il est, il est pas super rapide non plus. Mais mais merde, la caméra est trop proche. Ça a rien à voir avec par contre j'ai vu qu'il y avait des. Je suis un homme libre qui a fait un choix. Des plantes et tout ça. Major, reprenez vos esprits. Non, mais j'ai l'esprit plus clair que jamais. Maintenant concentre-toi et montre-moi ce que t'as dans le ventre. Un soldat comme vous. Pourquoi vous travaillez pour ces tarés? Quoi? Est-ce que t'as oublié ce qui s'est passé il y a 12 ans? L'opération Ravière? Ouais, elle est dans... Elle est dans Umbrella Chronicle, je sais plus lequel. Il me faudrait la plante. L'opération... Merde! Toute mon unité. Putain de merde. Les lentilles. Notre gouvernement a laissé faire. Je m'attendais à beaucoup mieux de ta part. Qu'est-ce qu'il fait? Mais va te faire foutre. Prépare-toi. Merde, putain d'esquive, je pense. Rien n'a pris ces deux dernières années. Là, tu me fais plaisir. Le combat est fun. Merde, esquive. Non, j'y arriverai jamais. Chaque fois, je veux te taper, en fait. Je connais tous tes coups. C'est moi qui t'ai tout appris. C'est tout ce que t'as. Ils sont tous tués. Sans honneur. Sans pitié. Mais avec leur puissance écrasante. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à faire une chose pour moi-même? Krauser. Merde, je peux comprendre. Ce qui s'est passé. What? Putain, mais casse-toi. Mais c'est pas une raison pour vous en prendre à des innocents. T'es rien. Oh la vache. J'ai encore au mythe du bien et du mal. Allez, amène-toi. Et toi, à chaque fois, il va m'avoir. Qu'est-ce avec ça. J'ai l'impression que tu te rends. Merde. Vous me laissez pas vraiment le choix. Assez discuté. Putain de merde. T'es sérieux? Ah, d'accord. Ma vie était trop basse, sûrement. Ma vie était trop basse. Ah là là, cette esquive, elle est pourrie, cette esquive. En fait, le problème, c'est que cette touche fait beaucoup de choses. Et si on pouvait dissocier l'esquive et me la mettre dans une autre touche, je serais extrêmement content. Parce que c'est la touche où on se baisse, relever et esquiver. C'est la même touche. Et ça, c'est pas pratique.
Genre, moi, je voudrais bien mettre esquive sur espace, par exemple. Juste esquive sur espace. Ce serait vraiment cool. Mais le combat est fun. Honnêtement, le combat est sympa. J'aime beaucoup le combat. C'est cette secte qui vous manipule ? Chaque fois, je dois faire ça, c'est un peu relou, par contre. Ça n'a rien à voir avec eux. Je suis un homme libre qui a fait un choix. Pas mal. Major, reprenez vos esprits. Oh, mais j'ai l'esprit plus clair que jamais. Maintenant, concentre-toi et montre-moi ce que t'as dans le ventre. J'essaye de récupérer les plantes, surtout. Un soldat comme vous. Pourquoi vous travaillez pour ces tarés? Pourquoi? Est-ce que t'as oublié ce qui s'est passé il y a 2 ans? Merde, voilà, 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 voilà. Oh putain! Vache de merde! Ils nous ont tous tués! Sans honneur! Sans pitié! Mais avec leur puissance écrasante! Alors qu'est-ce qu'il y a de mal à voir la même chose que moi-même? Krauser! Je peux comprendre. Ouais, je peux me baisser en fait, sûrement. Ce qui s'est passé était impardonnable. Je pense que je peux me baisser pour esquiver le couteau qu'il lance. T'es rien qu'un môme. Tu t'accroches encore au mythe du bien et du mal. Prépare-toi. Rien n'a plu ces 2 dernières années. Ferme ta bouche. J'ai l'impression que tu trembles. Tiens, vas-y, tremble ça. Merde. Eh merde. J'ai pas vraiment le choix. Assez discuté. Il est temps d'en finir maintenant. Essaie encore. T'as eu de la chance. Je connais tout tes coups. Ouais. C'est moi qui t'ai tout appris. Tu me gaves avec ton esquive. Ok, on est bon, on est bon. Le combat est fun, j'aime beaucoup le combat. Ah ah. Waouh. Assez joué, le bleu. T'as vraiment pas changé d'un poil. Quelle déception. Ah, fais chier. Ça se présente mal pour moi, hein, amigo. Et quelle perte pour les femmes du monde entier. Parle pas. Prends ça. C'est la clé de mon laboratoire. Vas-y. Et élimine ces putains de parasites. Sauf Ashley. Putain, on dirait Metal Gear Solid, quoi. Le 4. Tu sais, j'ai fait des conneries dans ma vie. Mais maintenant, qu'est-ce que t'en dis, hein, Léon? Les gens peuvent changer, non? Eh ben, c'était bien, c'était bien. C'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Ah, le combat avec Krauser est vraiment, vraiment, mais alors nettement mieux. Parce que honnêtement, les QTE, moi ça me rend fou, les QTE.
L'original c'était full QTE en fait. C'est vraiment horrible. Avec les touches qui apparaissent là quand il faut esquiver et tout. Là il n'y a que l'esquive avec le F, mais c'est pas. C'est pas trop. Par contre, il y a la réactivité de parer et tout ça. Ça, c'est bien, ça. En plus, moi, je l'ai mis sur l'attaque, en fait, du couteau. Et pas sur espace. Donc, honnêtement, j'ai un meilleur feeling, je sens. Donc, j'arrive à bien enchaîner les différentes attaques. Les différents moments où il faut parer, en fait. Donc, ça, je suis content. Mais ouais, c'est l'esquive. Honnêtement, si on pouvait mettre cette esquive sur une autre touche, putain, ça... Après, je pourrais mettre le fait de se baisser et tout sur espace. Je sais pas si je peux, en fait. Ah ouais, peut-être que je peux inverser le F et espace, en fait. Pour moi. Ça pourrait être plus intuitif, en fait, pour moi. C'est vraiment ça, c'est pas moi, genre... Vous voyez la différence, je vais un peu parler deux secondes et après on va s'arrêter de toute façon, ça sera la fin de notre épisode parce qu'honnêtement on l'a bien bouclé là, le chapitre, je suis très content. Vous le sentez en fait aussi, c'est pas vous vraiment, c'est le fait de réactivité genre sur une touche qui est pas vraiment bien placée en fait, c'est ça qui bloque votre gameplay, vous voyez, vous pouvez voir la différence, vous pouvez sentir la différence de ça. Et je pense que si je peux inverser ces deux touches, ça serait peut-être mieux. Après, il faut s'habituer. Du coup, je vais repasser par un apprentissage. Et de arrêter de... Enfin, bref. Ouais. On continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'était fun. Krauser est vraiment cool. Ils ont super bien fait le combat. Il y a différentes choses à faire. Genre, il faut parer tout ça. Krauser peut balancer un couteau. Donc, il faut sûrement esquiver par se baisser. Il peut... Genre, il court à un moment... pour vous prendre de revers et tout, enfin sur le côté, et après il fait un saut au-dessus de vous pour se mettre dans votre dos, et là il peut vous enchaîner en fait au coup de couteau, donc faut vite se retourner. Pardon. Donc ça c'est vraiment bien. Honnêtement, non, il est vraiment cool. En tout cas, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.